Aujourd'hui se tient une nouvelle activité de financement pour la campagne Centraide en Matanie aux Galeries du Vieux-Port. La campagne se dirige de plus en plus vers son objectif de 25 000 $. Vendredi le 12 décembre, on va être là de 9h30 à 9h le soir, dans l'aide de la Banque nationale. Tous les organismes présents vont se relayer afin de vendre des allumes-feux. Puis on va avoir aussi, c'est exclusif à Centraide, des billets pour les Canadiens avant, un tirage qui est organisé au profit de Centraide. Finalement, ça va être des sortes d'organismes bénéficiaires de Centraide qui vont se relayer, qui vont être présents quand même pour vendre ces allumes-feux-là. Oui, c'est ça. C'est les sept organismes qui vont être là, vont pouvoir vous parler de Centraide, de la campagne Centraide et aussi de leur organisme que vous appreniez à les connaître. Et puis donc, encore l'objectif 25 000 $. On n'a pas de nouveaux chiffres, mais j'imagine qu'on va en avoir justement après cette vente-là. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que ça va relativement bien, mais qu'il faut continuer de donner, c'est important. Ça, là. On va juste l'emmener quelques paquets de 6 pour montrer c'est quoi qui va le faire. Alors, au centre d'achat, tous les gens de Centraide, les groupes qui sont aidés par Centraide, vont faire une vente du paquet de 6 petits allumes-feux pour les gens de la Matanie. Alors, c'est un beau petit format qui peut se mettre facilement dans les bas de Noël. Tous les profits vont s'en aller à Centraide. De notre côté, le fait aussi qu'on est en place, que c'est fabriqué ici, ça va faire en sorte que tout ce qui ne sera pas vendu, on va le reprendre, la campagne, donc on va être sûr qu'il va avoir une réussite au bout de la ligne. Mais on met ça en place cette année pour probablement, ça va revenir à tous les ans, la vente de petits allumes-feux dans la période un petit peu avant Noël. Un beau petit cadeau à mettre dans les bas de Noël. Le paquet d'allume-feu 6, il n'est pas en vente dans les magasins. La seule place où on peut le retrouver durant l'été, c'est dans les CEPAC. À part de ça, on ne le vend pas. On le garde pour les campagnes de financement. C'est vendu réellement juste pour des campagnes de financement. Fait que c'est un format, le fun. C'est un format qui se glisse bien dans le skidoo, qui se glisse bien dans un sac à dos quand on part en randonnée. C'est un format qui peut se laisser dans roulotte, dans tente roulotte, dans le stock de camping, de tente à terre aussi. Alors, c'est un beau petit format comme ça. Mais non, ce n'est jamais, vous ne le retrouverez pas dans les magasins, ce format-là. C'est réservé aux campagnes de financement. C'est ce qu'on vous avait dit au début, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est de travailler sur la fondation, sur une fondation. Donc, on sait que le Moulin Blues, on sait les beaux résultats qu'il y a eu, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est stable. Alors, la campagne, la vente d'allume-feu, on veut faire la même chose avec ça. On veut planter des graines qui vont être là longtemps, puis qui vont rapporter, puis que les gens vont avoir hâte. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, et ça revient pas le restant de l'année, puis c'est réservé à la campagne Centraide. C'est ce qu'on veut faire cette année. Madame Lapointe, merci beaucoup. Et puis, on va souhaiter justement une belle vente ce vendredi. Les heures, en fait, ça se déroule jusqu'à 21h ce vendredi 12 décembre. Merci beaucoup à vous autres aussi, puis bon achat!